Quatrième et dernière étape des méthodes de résolution de problèmes, la phase de mise en place des solutions. Donc dans cette phase, là pour le coup, on est dans une phase d'implémentation. Donc on rentre dans de la gestion de projet classique. Donc le but, c'est de mettre en œuvre le plan d'action qu'on a décidé et puis à la fin de vérifier qu'on a bien réussi comme ce que l'on pensait. Quels sont les outils que l'on utilise? Alors là, si vous avez suivi les cours de gestion de projet, vous allez être en terrain connu. Tout d'abord, avant de réaliser un projet, il faut faire ce qu'on appelle une phase de montage, où on va faire de la conception de projet. Et donc pour ça, on va répartir le projet en des tâches, et donc faire un diagramme des tâches, un diagramme hiérarchisé, où on a pour chaque catégorie de tâches toutes les sous-tâches qu'il faut mener. Une matrice RACI où on vérifie que sur chaque tâche, on a un responsable, éventuellement une personne qui est consultée, une personne qui valide, et on fait la liste des personnes qui vont être la force de travail sur cette tâche. Donc c'est la matrice RACI. Ensuite, il faut planifier. Et donc pour planifier, vous connaissez, on peut utiliser un PERT, mais en pratique, le PERT, on l'utilise que pour les gros projets très complexes. Par contre, on utilise le diagramme de Gantt, qui est le calendrier du projet. Et puis, si on veut faire un petit projet simple, on va se contenter en fait de faire ce qu'on appelle un jalonnement, c'est-à-dire de dire à quelle date on va devoir avoir accompli quelle chose. Donc par exemple, vous imaginez un projet de 4 semaines, première semaine, calculer un nouvel itinéraire pour des camions, deuxième semaine, phase de test, troisième semaine, phase de collecte de données, de rectification par rapport à ce qu'on avait prévu, quatrième semaine, mise en place finale. Vous voyez, c'est des jalons qui peuvent être très simples. Et puis, il y a bien sûr le plan do check act qui est toujours très utile. C'est de dire qu'à chaque fois que vous avez un jalon, au tout début, vous allez prévoir votre cycle d'action, le faire, le mettre en place, et constater ce qui s'est passé. La conception de projet, c'est bien, mais une fois que le projet se déroule, on fait ce qu'on appelle du pilotage de projet. Et donc, pour suivre l'avancement, par exemple, vous avez des indicateurs, donc en termes de quantité de budget dépensé, pourcentage du budget dépensé, résultat atteint, etc. Et puis à la fin, il faut quand même vérifier que votre problème, vous l'avez résolu. Et donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, dans la première phase, le but, c'est de fixer des objectifs qui permettent de dire, voilà, le problème est parti. Donc, d'avoir des moyens de mesure pour vérifier qu'on a bien résolu le problème. Donc, pour ça, je vous renvoie à ma formation sur l'évaluation de projet. Donc, dans cette formation, on apprend par exemple à concevoir des indicateurs. On apprend la différence entre les objectifs du projet et les résultats finaux, ce qu'on appelle l'impact. Et puis on se pose aussi la question de la capitalisation. Donc si vous avez trouvé et mis en place des solutions qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'organisation, il ne faut pas seulement les appliquer à un seul endroit, il faut les généraliser. Et là, on a toute la question de savoir comment est-ce que l'entreprise devient une entreprise apprenante. Donc ça, c'est lié au cours que je propose dans ce qu'on appelle le knowledge management, le management des connaissances. Et donc dans les entreprises, vous avez parfois des bases de données, de bonnes pratiques. Et puis parfois, vous avez des entreprises aujourd'hui qui reposent sur des réseaux sociaux. Donc l'idée, ce n'est pas de stocker la connaissance dans des systèmes informatiques. L'idée, c'est de dire, si vous avez tel problème, vous allez rencontrer monsieur machin. Et donc c'est plutôt de mettre les gens en contact. Et ça, c'est les théories de la connaissance qui disent soit que la connaissance peut être formelle, soit que la connaissance, elle est informelle, elle est dans les personnes. Et donc si vous croyez dans la connaissance formelle, vous allez mettre en place des manuels, des systèmes de bases de données, des wikis, des trucs où vous formalisez. Et si vous croyez que la connaissance est informelle, vous allez mettre en place, des réseaux sociaux, vous allez encourager les gens à se parler les uns des autres. Vous voyez, c'est des stratégies différentes, mais c'est toujours de la gestion des connaissances. Quels sont les livrables de cette dernière phase? Tout d'abord, bien évidemment, le premier livrable que vous devez avoir, c'est que vous devez avoir résolu le problème.
Donc ça, c'est évident. Avoir résolu le problème. Alors, on n'a pas forcément résolu tout le problème, mais on en a résolu la plupart. Donc totalement ou partiellement. Et bien sûr, j'ai résolu le problème, je le prouve. Hein, donc ça, quand on dit PDCA, c'est le check. Hein, c'est je vérifie que j'ai bien résolu le problème. Et puis, on doit rendre des comptes. Si vous avez quelqu'un qui vous a financé, qui vous a donné cette mission, qui vous a payé, bah, vous devez lui dire, bah, voilà ce que j'ai fait, des moyens, des ressources que vous m'avez données. Donc ça, c'est important. Souvent, il peut arriver que vous touchiez des bourses ou des subventions. Mais dans tous les cas, il faut rendre compte quand vous êtes dans cette dernière phase. Donc dire, voilà ce que j'ai réussi à faire et voilà ce que j'ai fait des moyens qu'on m'a confiés. Je les ai bien gérés, si possible. Pour ça, en contrôle de gestion, on utilise ce qu'on appelle l'analyse d'écart. Donc c'est l'écart entre le prévu et le réalisé et la compréhension de ce qui se passe. Alors certains d'entre vous seront peut-être appelés à faire ce qu'on appelle du contrôle de gestion. Et donc dans le contrôle de gestion, une chose qu'on fait beaucoup, c'est ça, c'est l'analyse d'écart. C'est on fait des prévisions, on regarde les réalisations et ensuite on essaie de comprendre d'où vient la différence entre le prévu et le réalisé. Quand on dépense de l'argent, il faut aussi prouver que. Quelques conseils et quelques points clés pour terminer cette phase. Alors, j'ai essentiellement deux grands conseils à vous donner. Premier point, quand vous avez atteint des objectifs, c'est bien de les avoir atteints, mais naturellement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on a souvent tendance, sur la durée, à retomber dans des mauvaises habitudes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour surveiller ça? Alors, faut pas oublier de laisser en place éventuellement des moyens de mesure qui vous préviendront s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Hein, si pour une raison ou une autre, on est en train de se retrouver à nouveau dans le problème qu'on avait constaté. Donc, ça veut dire mettre en place des moyens de monitoring en anglais, surveillance en français. Mais il est très très facile de retomber dans les mauvaises habitudes. Et franchement, ça sert à rien d'avoir fait tout un travail pour trouver la solution à un problème si c'est pour quelques mois ou quelques années plus tard retomber dans les mauvaises habitudes et faire revenir le problème. Pourtant, ça arrive très souvent. Avant de clore le projet, n'oubliez pas de capitaliser. Alors, ce qu'on fait souvent à la fin de projet, c'est une réunion de bilan. Donc, on appelle ça un post-mortem, hein. Vous savez qu'un projet, c'est une organisation temporaire. Donc à la fin, on va dissoudre l'équipe et puis les gens vont passer à autre chose. Mais avant de se quitter, il est recommandé de faire une réunion où on essaie de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc ça, on le pratique beaucoup, par exemple, dans les grands projets logiciels. Avant de dissoudre l'équipe, on fait une réunion post-mortem pour faire un bilan ensemble. Donc ça, c'est important. Autre chose, bah, il faut laisser des traces. Donc il faut laisser de la documentation. Le gros problème, c'est de laisser cette documentation dans un format tel qu'elle puisse être réutilisée. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai parlé des méthodes de collecte de données qu'on utilisait en phase de recherche des causes, je vous ai dit, bah, vous pouvez faire des entretiens, vous pouvez faire des questionnaires, vous pouvez faire de l'observation vous-même, ou vous pouvez utiliser des données secondaires. Donc, n'oubliez pas, toutes les données que vous avez collectées, pensez que quelqu'un pourra peut-être les réutiliser un jour. Donc archivez-les proprement, hein, ça veut dire des fichiers qui sont rangés au bon endroit, avec le bon nom, sous un format convenable, et puis accompagnés d'une sorte de mode d'emploi qui explique comment les données ont été collectées. Donc ça, c'est ce qui fait la validité, de la doc. Et puis s'il y a une doc qui existe, eh ben, il faut la mettre à jour. Hein? Donc bien évidemment, il faut penser avant de clore le projet à faire tout ça. Et puis un dernier conseil, quand on a réussi, il ne faut pas hésiter à faire la fête. Certaines méthodes de résolution de problèmes incluent la phase où on va féliciter les gens qui ont travaillé. Donc on remercie les gens qui ont contribué. Et puis on valorise. Donc ça veut dire parfois faire un poster pour présenter ses résultats, répondre à des interviews, faire un article
dans un journal ou autre, mais bien penser aussi que cette phase est une phase normalement joyeuse où on montre que on avance, que on fait de mieux en mieux. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer une petite conclusion. Dans cette conclusion, je vous parlerai d'autres méthodes. Alors, il existe en fait beaucoup de méthodes de résolution de problèmes. Donc, je vous parlerai notamment de la méthode 8D, la méthode CRIM, et je vous montrerai des exemples de formulaires réellement utilisés en entreprise. Et puis, je vous pointerai vers quelques, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous former, je vous donnerai quelques ressources, des choses à lire, si ça vous intéresse d'approfondir, aujourd'hui ou plus tard.